Et bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la suite du championnat 2002 de Formule 1. On s'était arrêté au Grand Prix de Belgique. Enfin, on a terminé le Grand Prix de Belgique, même si on avait complètement foiré. On va faire donc le Grand Prix de Monza. Donc un petit rappel sur le classement. Donc on est toujours 6e au championnat devant Raikkonen, mais ça devient de plus en plus pressant. Ça fait penser qu'on voit pas le curseur, mais c'est pas grave. On fait suivant. Donc au championnat constructeur, je pense que c'est bon, il n'y a pas à se passer grand chose. Ferrari a tout démoli, hein, histoire d'eux. Et quand je dis démoli, c'est une purge. Hein. Oh mon dieu. Allez, c'est parti. Se situe à quelques kilomètres au nord de Milan. De longues lignes droites, interrompues par quelques chicanes et courbes rapides, forment le tracé de ce circuit permanent qui incarne à lui tout seul l'esprit du sport automobile italien. Il est le temple de la Scuderia et de ses milliers de tifosi. Voilà, donc terminer la séance, on va voir les temps, 1:29 à 1:40, mais c'est pas la bonne séance de toute façon. Ouais. Par contre, il a pas l'air de faire super beau aussi, séance libre 4. Terminer la séance, on est entre 1:24 et 1:33 et la piste est pluvieuse, mais peut-être qu'en qualif ça sera mieux. On va lancer les qualifs, et il fait beau, donc là ça va. Alors c'est parti pour le réglage de la voiture. Je pense qu'on peut trouver Italie 2002, regardez, c'est magnifique. On va faire donc charger. On va quand même voir comment elle a été réglée, parce que oui, voilà, par contre, je vais pas partir avec 33 tours d'essence, ça serait un peu beaucoup. On va partir avec 6 tours d'essence. Le mode de vitesse 350, 16 ailerons. Ça me paraît pas beaucoup. Mais bon, pourquoi pas. Allez, c'est parti pour ce... Bah, c'est mouillé. C'est mouillé, donc ça fait penser à quelque chose. Ouah, bah, par rapport à que ça glisse, ouais. On va quand même faire un tour. Vous voyez, quand même une partie sèche. Elle est vraiment légère sur la trajectoire. Oula, ok. Ok, bon, ça glisse pas mal. Histoire de découvrir le circuit, hein, évidemment. Ah oh, ouais, mais oh là là, j'ai vraiment aucun grip. Oh, regardez le halo par-dessus, c'est assez bizarre. Ouais, je pense qu'il faut mettre les intermédiaires. Mais je pense aussi qu'on devrait accélérer la séance pour voir si la piste s'améliore. L'avantage c'est que là on peut sortir super large. Ah, il y a quand même une bonne vitesse de pointe, hein, 330. C'est quand même dommage que la pluie soit aussi mal faite, hein. Franchement, on s'y croirait. Pas du tout. Bon, on va faire un petit CTRL-T pour changer le... La température ambiante augmente en plus. On va voir l'amélioration des temps. Pour l'instant, il y a des Montoya 1:31. Ouais, c'est en train d'améliorer. Une 29, une 30, ça améliore pas mal. Trulli en pole pour le moment. Irvine en pole. David Coulthard en pole. Regardez les temps comme ça descend. Barrichello. Montoya à nouveau, une 27. Une 26, ça, ça a bien amélioré là. Une 26, 5.
On va l'arrêter à 25 minutes. Castello 7ème pour le moment. Allez. On va partir à ce moment-là. On va refaire des pas. C'est parti. Ah, regardez, il n'y a plus de projection d'eau. Il y a encore de l'eau quand même, si. Sauf sur la trajectoire. Donc là, il va falloir vraiment rester sur la trajectoire pour pouvoir faire un bon tour. Ouais, ça freine quand même beaucoup mieux. Par contre, il faut surtout pas en sortir. Allez, on va voir la vitesse de pointe maximale. ...330... ...340, c'est pas mal, mais on pouvait aller plus haut quand même à l'époque. Sorti de la trajectoire. Ah! Et c'est dommage que j'étais en tête au premier secteur, ce qui était un petit peu improbable. Ah bah là c'est certain, hein, de toute façon, vu les deux virages que j'ai loupés. Ouais, je suis super loin, quoi. J'ai complètement foiré la chicane. Je perds tellement de temps dans le deuxième secteur, on va voir ce que ça peut donner. J'ai déjà un peu mieux pris. Il a effectué
Ouais, je pense pas qu'on va faire mieux. Va falloir améliorer la chicane là. Ouais, bon, laissez tomber. On va s'arrêter là. Alors, donc, on va faire terminer la séance. Séance suivante, limite. Comme ça, on va pas l'étendre. Hop, hop, warm-up suivant. On fait réglage de la voiture. Comme ça, j'ai pas vu mon position sur la grille. Hein. J'ai fait mine de pas l'avoir. Vous l'avez vu, je pense, mais moi, non. Il y a 13 tours à faire. Et donc, c'est parti. Bienvenue en Italie pour la 15e. Par contre, je crois qu'il pleut, non ? 2002 de Formule 1. Un temps assez couvert et quelques gouttes qui tombent ça et là, voilà qui complique un peu les choses ici. Ah, ils sont quand même partis en sec. Donc ça devrait faire. Avec sa Beyond Edge. Schumacher, première position. Juan Pablo Montoya s'est montré plus rapide que son concurrent numéro 1 au classement, à savoir le pilote Toyota. Voilà la différence de premier et le deuxième quand même. Il y a une seconde d'écart. Schumacher là, fou. Coulthard, quatrième position. Schumacher, cinquième position. Raikkonen, sixième position. Le pilote Toyota en a gardé un peu sous le pied lors des qualifs, ce qui lui vaut la septième position. Yarno Trulli, la huitième place. Frenzen, 9e position. Button, 10e position. Heidfeld, 11e position. Jacques Villeneuve, 12e position. Salo a terminé loin de son équipier lors des qualifications. Il partira en 13e position. Salo! Takuma Sato, 14e position. Panis, 15e position. Bernoldi, 16e position. Marc Weber, 17e position. Weber, pas trop mal quand même. Fisichella, 18e position. Même Young, hein, 19e. Young, 19e position. Massa, 20e position. Irvine, bon. 21e position. Les arrows sont toujours là. Alors attention parce que là on est sous la pluie. Oh oh Raikkonen là. Ouf. Oh là là bah voilà. Ouh le moteur de la BM là qui est parti. Alors, une partie a l'air sèche du circuit, par contre pas tout. Pas toutes les parties. Oh là ouais, cette partie a l'air un peu plus humide. Mais pour l'instant ça va, c'est sec. On verra s'il pleut ou pas pendant le Grand Prix. En tout cas, départ correct. On est cinquième. Ah ouais, le BM là qui a explosé juste après la chicane. Ça a bien surpris Raikkonen, qui d'ailleurs nous a bien surpris lui à la chicane. Ah, c'est compliqué là, c'est mitigé, il y a une partie pluie, une partie sèche. Ah, c'est là où je perds beaucoup de temps, c'est vraiment cette zone là. Alors j'aurais pu m'amuser, ils mettent pas d'aileron, hein, comme ça j'aurais eu une vitesse de pointe de fou. Mais bon, on va laisser comme ça, c'est très très bien. Bon, il n'y a pas beaucoup de tours à faire, hein, il n'y en a que 13. C'est un circuit qui est long en kilométrage, mais pas en temps, hein, puisque... Ouh, bah ça commence à s'humidifier. C'est que nous, on a eu la chance, on n'a pas eu de problème de fiabilité. Alors que la Toyota 2002, bon, certes, était quand même plutôt pas mal pour une première saison. Mais il y a quand même des fois quelques soucis. On en a eu zéro.
ça se dépasse, hein. Devant là il y a... Le problème c'est que sur le côté de la piste, bah, c'est mouillé, donc c'est compliqué. Un peu plus proche, j'avais l'aspiration, là ça va être un petit peu loin. Ah, c'est Montoya qui est en tête, j'avais pas fait gaffe. Oh, le freinage, ça passe. Alors, rester concentré. Là, par contre, j'ai fait de la merde. En fait, Villeneuve. Montoya. N'étant pas ultra rapide, ça bloque un peu les Ferrari, j'ai l'impression. Il va prendre aspiration la Coulthard, je pense. Mais comme au freinage, on freine mieux. Oh! Putain, j'ai un stop and go! Putain, en plus j'ai fait exprès de pas le laisser passer, quoi. Bon bah là il va falloir rusher pendant au moins 2 tours pour prendre le plus d'avance possible. En plus à Monza c'est le pire, hein, c'est le... Ah, oh, je suis dégoûté là, on était pas mal. Ah bah voilà, bah stop and go. En plus j'ai ralenti, hein. Je me suis dit tiens je vais le laisser repasser, de toute façon je vais pas doubler comme ça. Ah bah non, stop and go. Et bah voilà. Bon, j'ai 3 tours pour faire un stop and go, donc dans l'absolu. On va encore faire 2 tours. Ah, il faut prendre le plus d'avance sur le 7ème et 8ème, sinon c'est mort. Ils sont encore prêts. Hein. J'arrive plus. Hein. Oh, j'arrive déjà plus. Ouais, je perds du temps, hein, j'en gagne pas. Ouais, il accélère beaucoup plus tôt, quoi. Mais vraiment beaucoup plus tôt.
Ah, surtout qu'en plus, ah, j'ai oublié de mettre le. Attendez. Non, j'ai pas le truc pour activer le. Et en plus, je repartirai beaucoup d'essence. Voilà, le beau temps est revenu, hein, on le voit. Comment je vais faire pour. Et non, j'ai pas configuré la touche. Vu que j'ai changé de manette, j'ai pas configuré la touche, je pourrais pas changer l'essence. Sans déconner. Bon. Et ben on va s'arrêter au stand. Ouf! Ah bah ça tourne là, ouais. Bon, pourtant je vais pas trop fermer la porte, hein, mais. Bon, l'avantage c'est qu'ils m'ont pas mis d'essence du coup. Bon, allez, c'est parti! Bon, bah là c'est des points perdus bêtement, hein. Ah, mais y a même pas eu de sommation quoi, y a même pas eu attention, avertissement et tout. Bah, je veux dire, ça arrive en vrai, un clip-clip se loupe, ils tout droit, et pourtant ils prennent pas de pénalité forcément tout le temps, hein. C'est un avertissement. Regardez vers Verstappen en 2018. Bon, bah il y a eu un avertissement, et après il a refait une connerie, mais au début, il a rien pris! Voilà, et évidemment, quand je suis marié à un truc, bah, on s'enfonce au fur et à mesure. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave, on va se reconcentrer, on a encore la moitié de la course à faire. Raikkonen, 7 secondes. Quatre secondes. Ouais, donc il y a trop de secondes à récupérer, c'est même pas la peine. Ouais, c'est qu'on pourra pas passer parce qu'ils sont deux à se dépasser. Comment ça? Alors là, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Attendez, je vais quand même voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il avait pas dit que Raikkonen était passé en tête. Ah bah Raikkonen a abandonné, d'accord. Bon, bah c'est parti. Ah, il est passé en tête parce qu'en fait il est rentré au stand. Ah, c'est dommage parce que là on aurait gagné une place. Enfin, on va en gagner une, hein, de toute façon on est 14e, mais. J'ai aucun grip. J'en avais tout à l'heure, j'en ai plus.
Allez, on se place derrière la Jordan. Un petit peu de DRS. Lol. Montoya aussi. Oh là là, bah là c'est la calamité. Enfin comment dire, c'est la catastrophe, c'est la débandade, c'est la branladasse quoi. Enfin c'est le, ouais c'est le cataclysme. J'aurais pas trouvé le bon mot, hein, désolé. Ah oh, purée, mais c'est pas vrai. Je pense que je dois avoir les pneus ultra chauds, mais je peux pas le voir en fait parce que j'ai pas le menu. Bon, Montoya est abandonné, donc on va passer 11e. Bon, Sato est 5e et 10e à 5 secondes devant nous. Il reste que 4 tours. Bon du coup, vu qu'on t'a abandonné, bah, je vous laisse deviner qui est en tête. En plus, je me rends compte que quand j'étais quatrième, avec l'abandon de Montoya, j'aurais pu peut-être terminer sur le podium. De quoi encore plus rager. Mais bon. On a un petit groupe de pilotes devant. Est-ce qu'on pourra réussir en 3 tours à les rattraper et à les doubler? Ça, c'est autre chose. Et ouais, là, je sors lâche quasiment tout le temps, mais il s'en fiche le jeu, hein. Il me dit rien. Ah bon? C'est-à-dire que je suis plus rapide que Schumacher là, vous êtes sérieux? Bah je crois que j'ai encore de plus de quoi être déçu parce que... Non! Non mais non! J'ai remarqué, merci. Putain mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Putain mais je fais trop d'erreurs en fait à chaque fois. Tout le temps trop d'erreurs, à chaque fois au mauvais moment, toujours au moment où je rattrape, que je suis au bout, et c'est toujours au même moment, quoi. Putain que ça m'énerve. Bon bah là c'est mort, hein. Je pourrais rien faire, quoi. Alors on va échouer une lamentable 13e place, ou même 11e place, parce que je vais juste peut-être les rattraper et doubler, si je fais pas encore d'autres erreurs derrière. Oh là là, bon, de toute façon j'aurais pas marqué de points, hein. Ça va pas changer grand chose, mais bon, on sait jamais, un petit abandon. Il y en a déjà eu deux devant. Il faut absolument que je puisse prendre inspiration sur les deux maintenant. Ouais, c'est comme ils sont côte à côte, ils vont encore me bloquer.
Ah, j'ai décalé à la fin là. Bah du coup, vu que tu t'es décalé, bah voilà, tant pis pour toi. Schumacher bat Barrichello, évidemment. Qui va finir premier et deuxième alors qu'ils n'étaient pas en tête, bah voilà. Alors on va voir qui c'est qui va marquer le 5e, la 5e place et la 6e place du coup. Parce que vu qu'il y a eu deux éliminations devant. Il y aura une Renault, voilà, Trulli, Button, donc il y a une barre et Villeneuve. Il y a deux BR. Quoi que non, il n'y a pas Button chez Renault en 2002. Ah, Panis Villeneuve, ouais, donc c'est ça. Donc en fait, il y a. Oh bah oui, fonce, 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 gravier. On avait le meilleur rythme possible. Oh bah regardez, 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 bah voilà, le vibreur. Le vibreur, merci de m'avoir mis sur la piste. Le vibreur, et je suis parti instantanément. Mais comme je vous dis que le jeu, il est pas forcément facile non plus, hein, je vous déconne pas. Non mais là j'ai plus rien. Hein. Bon, Schumacher doublé, bon ça, rien d'extraordinaire, on est en 2002. Bon bah plus tard. On va voir les écarts, ça va être impressionnant. Regardez les trois premiers, l'écart qu'il est avec le quatrième. Hein. Regardez le quatrième, à combien de secondes il est? 27 secondes. Heidfeld 7ème. Salaud Panis, c'est bien voilà. Salaud Rafi devant moi. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué de points, mais bon. Et voilà, c'est fini. Oh! Regardez, la voiture s'est complètement arrêtée. Bon, bah voilà. Hein, encore une déception. Oh là là, purée de stop and go, quoi. Bon, je dis pas que j'aurais pas fait d'erreur, mais que j'aurais pas fini aussi loin, quoi. Là, le stop and go, il m'enlève au moins 20 secondes, quoi, donc... 20 secondes, on finit... On enlève 20 secondes, là, je termine 49-29, je suis entre la 6e et la 7e place, je suis en train de me battre avec eux, donc bon... Et encore je dis 20 secondes, on perd plus de temps au stand que 20 secondes, hein, mais bon. Bon. En tout cas, Renault marque pas mal de points. En terminant 4ème et 5ème, il marque 3 et 2, 5. Et BR marque un point. Il y a pas mal d'abandon. Hein. Ouh là là, regardez, deux Williams sont partis, les deux Arrows. Bon, ça c'est logique, je crois que c'est le jeu qui le fait exprès. Sauber, Minardi, McLaren, ouais. Et donc, du coup, bah, ça change rien pour nous, parce que Raikkonen a abandonné. Par contre, les points de Ferrari, c'est impressionnant. On va voir le classement constructeur, c'est tout ça qui nous intéresse. Regardez, BR qui, du coup, avec son point, repasse devant Jaguar. Enfin, égalise devant Jaguar. Renault marque 5 points. Donc, se retrouve... Et il passe quand même de la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7ème place minimum, voire 8ème ex aequo, à la 5ème place. Donc, c'est une bonne opération pour Renault. Et donc on va se retrouver pour la prochaine course au Grand Prix d'Indianapolis. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude et je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde!